Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais me faire le relais du dernier message paru donc le 9 avril sur le blog Réseau Nouvelles Technologies, qui donc de la PF, parce que il présente cet article présente un logiciel, un petit logiciel qui peut être intéressant pour organiser des sessions de travail. Ce logiciel gratuit s'appelle FreeTimer, d'accord? Et comme le dit le titre de l'article, c'est un minuteur gratuit, complet et très léger pour Windows. Alors, on va voir quand on se connecte au site internet de l'éditeur du logiciel qu'il existe une version installable, d'accord? Donc, vous voyez, 4 mégas, c'est quelque chose de très léger. Et il existe également une version portable. Alors moi, c'est celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui parce que eh ben, je n'ai pas les droits administrateurs comme de plus en plus de gens, je pense, et même certains d'enfants hein, ou de jeunes qu'on est amené à suivre en rééducation qui n'ont pas les droits, soit parce que c'est des ordinateurs MDPH ou éducation nationale. Donc finalement, c'est toujours bien de pouvoir utiliser une version portable qui permet d'installer le logiciel et donc de l'utiliser sans avoir besoin des droits administrateurs. Donc on voit que la dernière version est très récente, elle date de la fin du mois de mars. D'accord, il s'agit de la version 5. On va voir très rapidement comment ça fonctionne, c'est pas bien compliqué et c'est relativement ergonomique. Donc pour l'installer, je vais cliquer donc sur le bouton. Donc j'ai cherché hein, le logiciel, donc en fait le site internet, il est indiqué ici, c'est freetimerapp.com. D'accord. Et je clique sur version portable. Ça va donc me permettre de télécharger un fichier zip classique, d'accord, que je vais enregistrer sur mon fichier. Je pourrais directement l'ouvrir. Oui, à la rigueur, c'est aussi simple pour l'extraire. D'accord. Mais l'un comme l'autre, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, vous voyez, c'est très rapide. Je me retrouve donc FreeTimer portable. Je vais cliquer sur le bouton extraire tout. Alors, version portable à l'origine, c'était fait pour être utilisé sur des clés USB. Là, je n'ai pas de clé USB sous la main, donc je vais l'enregistrer directement sur mon disque dur. Il faut que je choisisse dans quel dossier. Alors, je vais cliquer sur parcourir. Et en fait, moi, je vais tout simplement me mettre sur le lecteur C, parce que si je le mets sur le lecteur C, je n'aurai pas besoin des droits. Donc, je vais quand même créer un dossier FreeTimer. Donc, je me mets, une fois que j'ai cliqué sur ces deux points, je fais un clic droit sur un espace blanc Nouveau dossier. Je vais écrire FreeTimer. J'appuie sur Entrée. Et je clique donc sur Sélectionner un dossier. Donc, sélectionner, c'est fait. Donc, ces deux points FreeTimer, ça sera mon dossier de destination. Et je clique sur Extraire. Voilà, en fonction de la vitesse de votre PC. Donc là, on voit, si je reprends mon arborescence, que depuis le C, le disque dur C, donc j'ai bien FreeTimer avec un sous-dossier FreeTimer portable. À la rigueur, ça ne me plaît pas trop d'avoir deux sous-dossiers. Donc je vais double-cliquer sur FreeTimer portable. Les fichiers qui viennent d'être décompressés sont ici. Ce que je vais faire, je vais tous les prendre en faisant CTRL A pour tous les sélectionner. CTRL, alors clic droit, couper. Je pourrais faire aussi CTRL X. Je reviens sur ces deux points, sur FreeTimer double-clic. Je clique sur du blanc et je fais CTRL V ou clic droit coller. Voilà. Et là, le dossier FreeTimer portable, je peux le supprimer. Voilà. J'ai donc bien mon chemin, ces deux points, FreeTimer, avec le fichier qu'il faut exécuter, c'est le FreeTimer exe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite un raccourci. Clic droit sur FreeTimer exe, créer un raccourci. Vous imaginez bien que ce raccourci, il n'est pas très intéressant de l'avoir dans le dossier du logiciel. Donc, ce raccourci, clic droit, couper. Je ferme tout d'ailleurs. Je vais sur le bureau, clic droit, coller. Alors, il n'a pas voulu mettre, il faut peut-être que je rafraîchisse. Parfois, j'ai ce petit souci-là. Voilà.
En rafraîchissant mon bureau avec la touche F5, j'ai mon raccourci ici, FreeTimer.exe raccourci qui apparaît. Donc pour le lancer, je vais désormais passer par cette icône-là et mon fichier portable. Hop là. Oui, non, ça c'était une installation, vous en occupez pas. Voilà. Donc, je double-clique et le logiciel se lance. Donc par défaut, j'ai un minuteur de 45 secondes. D'accord. Je clique sur le bouton démarrer pour le lancer. D'accord. Et le bouton effacer, en fait, ça serait plutôt remettre à zéro. D'accord. Donc si j'ai un chronomètre en route et que je veux le remettre à zéro, eh ben, je clique sur effacer. Mais bon. On va aller tout de suite voir un peu dans les options. Donc on voit que dans le menu fichier, il n'y a que 4 menus, hein, dont le menu quitter. Démarrer, c'est pour lancer le minuteur. Je peux appuyer sur la touche F2. Effacer, donc ce que je viens d'expliquer, je peux appuyer sur la touche F5. Minuteur en ligne, je ne vais pas en parler. Ça m'en renvoie sur un site internet. Donc pas d'intérêt. Options. Alors, activer le métronome. Vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. J'y reviendrai dans quelques secondes. Paramètres audio. Paramètres audio, c'est tout simplement pour me permettre de choisir le son qui sera joué par le timer une fois que le chrono est arrivé sur zéro. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup de sons qui sont tous ici. Si je les lance, ça va les enregistrer. Enfin, ça va pas les enregistrer, pardon, ça va les. Ça me donne un aperçu. Que ça soit moins fort. Donc je choisis le son qui m'intéresse. Voilà. Récurrence, c'est le nombre de fois où le son va être joué. D'accord? Donc je peux augmenter ou diminuer. Une fois, ça suffit. Et je vois là activer le métronome. Alors le métronome, lui, il va avoir un son bah, de métronome, hein, c'est-à-dire un tic, tic. Et ce son va apparaître soit une minute avant la fin du minuteur, soit 5 secondes avant la fin du minuteur, soit jamais, soit toujours. Alors, je vous déconseille de mettre toujours, hein, parce que alors là, pour le coup, ça va être un peu stressant. Donc, je vais mettre par exemple 5 secondes. Voilà. Et je clique sur OK. Alors, si je veux définir maintenant la durée, donc là, je suis par défaut sur 0 heure, 0 minute 45 secondes. Bah, on voit les petits boutons ici. Donc, alors là, je vais en mettre un de 15 secondes uniquement pour que vous vous rendiez compte. Donc, soit j'utilise les triangles. Soit je sélectionne et je tape ma valeur. Et je le lance, donc soit avec le bouton F2, soit avec le bouton démarrer. Donc là, on peut imaginer, hein, donc ça passe en mine, voilà. Le jeune est en train de réaliser son exercice. D'accord. Soit il veut se mettre un chronomètre. Voilà. Là, on entend. Voilà. Donc vous avez vu deux choses. Premièrement, il y a eu les 5 secondes, le chronomètre avant avant la fin du chronomètre. Les 5 secondes, j'ai le métronome, le son du métronome qui s'est lancé. D'accord? Et à l'exécution, enfin, quand je suis arrivé à la fin des 15 secondes, le timer est revenu en première page sur sur mon écran. D'accord? J'ai, pour continuer un petit peu les boutons, j'ai ce bouton-là qui me permet de me mettre en mode nuit. Donc là, ça inverse, hein, les couleurs noir et blanc. D'accord? Et j'ai ce bouton-là qui me permet de me mettre en plein écran. D'accord? Et ici, je reviens, je quitte le mode plein écran. D'accord? Donc si je veux remettre par exemple 1h15 secondes, voilà, ou même 1 heure tout court. D'accord? Voilà, 1 heure. Je clique sur le bouton démarrer. Alors bien évidemment, il n'y a pas besoin hein, que le chronomètre soit, comment dirais-je, soit visible tout le temps à l'écran. On voit que le temps restant s'affiche ici. Hein. Je peux le réduire, aller travailler sur mon document Word, d'accord? Et je vais ainsi être informé dans 1 heure. Donc par exemple, 1 heure, bah, ça veut dire que soit il faut faire une pause, soit il faut passer aux exercices de français, mettons que je suis en train de faire des maths, ce genre de choses-là. Donc ça peut être un petit élément de temps. Voilà, on sait que les timers sont de plus en plus utilisés aussi en réunion hein, pour nous aider à gérer le temps
de parole. Voilà. Donc il y a plein d'utilisations de ces timers possibles. Ça, vous avez vu que l'installation se fait en 2 petites secondes. J'ai pas besoin des droits administrateurs. Donc si vous n'êtes pas administrateur, vous n'allez pas avoir besoin de contacter votre service informatique. Voilà. Vous l'utilisez. Il n'y a pas 50 000 réglages. D'accord. Et ça fonctionne très bien. Donc je peux quand même illustrer le bouton effacer, soit avec la touche F5, soit je clique sur le bouton effacer. D'accord. Voilà, je remets le chrono à zéro. Donc c'est plutôt un reset, une remise à zéro que un réel effacement. D'accord? Et par contre, tant que je n'ai pas cliqué sur le bouton arrêter, il se remet à zéro, mais il repart à 1 heure. D'accord? Donc j'arrête. D'accord? Et bah là, mettons, voilà, il faut que je me fasse 10 minutes de dictée. Voilà. Ou 10 minutes de révision. Donc je ne sais pas trop l'exercice. Je définis 10, je clique sur démarrer. Je me lance, voilà, et quand mes exercices sont, enfin quand le timer va me biper, ben je sais que je dois changer et ça peut m'aider comme ça à gérer mon travail, notamment à la maison. Donc ça peut être intéressant pour des jeunes qui utilisent déjà leur ordinateur, alors pas en classe, hein, ça peut être ou alors avec le casque, hein, mais en tout cas il faut voilà, c'est quelque chose qui peut rendre bien des services. Là, je vais l'arrêter. Je vais juste vérifier. Est-ce que je peux mettre aucun? Voilà. Éventuellement, hein, si je suis en classe, je peux mettre aucun. À ce moment-là, il n'y aura aucun son. On va carrément essayer. Donc, je vais remettre 0 minutes. Je vais remettre, allez, 10 secondes. À ce moment-là, ce que je vais faire dans paramètres audio, c'est que le métronome, je vais mettre aucun également. D'accord? Je démarre. Et donc là, on va voir qu'il n'y aura aucun son et que l'ordinateur va me réafficher quand le timer sera terminé au bout de 10 secondes. Voilà. Donc là, il n'y a aucun son. C'est beaucoup plus. Bah, c'est muet, hein, bien évidemment. Et voilà. Bah, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce logiciel-là. Hein. Franchement, ça fonctionne. C'est efficace. C'est plutôt assez joli. Je peux aller sur des chronomètres assez longs, hein, puisque je peux mettre des heures. Voilà, je peux ne mettre aucun son. Voilà, donc ça, c'est si le jeune a peur, par exemple, pendant son évaluation, que ça sonne en pleine classe et qu'il a peur d'oublier de se mettre de baisser son volume, et ben, il peut carrément créer un timer où il n'y a aucun son. D'accord? Voilà, bah écoutez, alors si jamais il n'y en a plus besoin, hein, si jamais il n'y a plus besoin du logiciel, alors le raccourci éventuellement, je l'enlève, je le mets à la poubelle, et après j'ai plus qu'à supprimer, hein, puisque je n'ai pas besoin de faire une désinstallation vu qu'il n'a pas été installé. Donc je vais là où je l'avais mis, c'est-à-dire moi dans ces deux points et Free Timer, j'ai plus qu'à clic gauche sur Free Timer et bouton supprimer ou clic droit et supprimer, et là Free Timer n'est plus sur mon ordinateur. Donc ça s'installe, ça se désinstalle et ça se manipule très facilement.